Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne d'être au milieu de nous. C'est un privilège. Vous pouvez vous asseoir, on ne va pas chanter. C'est un privilège et une grande responsabilité. Je dis merci au pasteur Jean-Paul pour la confiance, pour toutes les fois qu'il me permet de venir et de me tenir sur cette chaire. Merci. Je remercie aussi le pasteur Fifi. Merci de m'avoir au milieu de vous. Alléluia. Quand le pasteur conduisait la prière, quand il a pris des versets, je me suis dit, mais moi je peux rester assis parce que c'est le message que je devais prêcher. Donc on a déjà prié pour le message, on a prié, la prière qu'on fait après le message, on l'a déjà faite, mais on va quand même la faire encore. Parce que toutes les orientations qu'il donnait, c'est le message que Dieu a déposé dans mon cœur pour l'Église. Même le verset qu'il a utilisé, celui du psaume 51. Mais pour moi, c'est une confirmation, en fait. Une confirmation que c'est ce que Dieu a dans son cœur pour son Église ce soir. Alléluia. Je veux prier d'abord avant que nous puissions commencer. La première prière que Dieu a déposée dans mon cœur, c'est par rapport à l'Église, foi triomphante. Là où la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe, que je te plante comme un clou sur lequel je dépose ma gloire. Je te plante comme un clou sur lequel je dépose ma gloire. Ça veut dire la force de ce clou ne se trouve pas en lui-même, mais la force de ce clou se trouve dans la gloire qui est dessus. Lorsqu'on parle de la gloire, quand on parle de la cabote, on dit c'est le poids qui l'eau. Ça veut dire que tu as un clou, mais si on met un truc trop lourd au-dessus, les gens ne pourront pas te déboulonner. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils te déboulonnent, il faut qu'ils soient capables de déboulonner la gloire qu'il y a sur ce clou. Père, je déclare que cette église est plantée comme un clou. Partout où tu les plantes, c'est un clou sur lequel tu déposes ta gloire. Personne ne peut la déboulonner. L'image que le Seigneur a déposée dans mon cœur, c'est l'image des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte. La Bible déclare qu'ils étaient conduits par la nuée et ils étaient conduits par une colonne de feu. Ils ne se déplaçaient pas parce qu'il y avait un ennemi qui les poursuivait, ils se déplaçaient parce que la colonne se déplaçait. Il se déplaçait parce que la gloire se déplaçait. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque l'ennemi est venu, qu'il a voulu les saisir, le peuple a eu peur. Mais ne se rendait pas compte que le Dieu au milieu d'eux n'avait pas peur. La preuve, c'est qu'avant que l'Égypte ne les touche, la gloire de Dieu qui avait au milieu d'eux est allée entre eux et leur ennemi. Du côté de l'ennemi, elle était obscure, pendant que de leur côté, elle était une lumière, la cabote, la gloire, le poids de Dieu. Parce qu'il dit, mon peuple ne se déplace pas au rythme des ennemis, mais mon peuple se déplace au rythme du déplacement de la nuée, de la nuée. Je déclare que la foi triomphante est un clou sur lequel Dieu a déposé sa gloire. Que Dieu soit béni.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 roi 19, à partir de 1. 1 roi 19, à partir de 1. Je lis au nom de Jésus. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. On lui dit, tu as 24 heures de vie. Dans 24 heures, tu seras mort. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit de pierre chauffée et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » S'il y a un thème à ce message, c'est « Ce n'est pas fini. » Je dis « Ce n'est pas fini. » Ce n'est pas fini, c'est le message. Alors que nous parlons d'aller plus loin avec Dieu, le message que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est que ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Alléluia. La Bible nous raconte l'histoire de Élie, un homme de Dieu fort, un homme de Dieu qui peut fermer le ciel et prendre la clé de la pluie, il met dans sa poche. Et puis se balade avec la clé pendant 3 ans et demi. Et puis après 3 ans et demi, il ouvre encore et puis ça s'ouvre. Un homme qui est capable d'appeler le feu. Le feu descend à la réponse à la prière d'Élie. Mais lorsque le feu descend, il tue les prophètes de Baal. Mais là, Jézabel lui envoie un message et lui dit, « Élie, tu as 24 heures de vie. Dans 24 heures, je veux te tuer. » Et lorsqu'il entend ce message, lorsqu'il entend cette nouvelle, il commence à fuir. Vous savez que dans la vie, il y a des nouvelles qui nous viennent et qui nous découragent. Il y a des moments quand tu ouvres seulement la télé, tu entends des nouvelles, ça te décourage. Si on te dit, non, on va encore confiner, on va encore fermer, rien que les nouvelles, ça te décourage. C'est ce qui lui est arrivé, il a entendu une nouvelle et la nouvelle l'a emmené à fuir. Il a fui, il arrive à un endroit, il laisse son serviteur et puis il continue tout seul. Alors qu'il marche tout seul, parce que j'aimerais te dire une chose, il y a des challenges dans ta vie auxquels tu ne peux pas faire face avec les autres, tu dois être seul. Qui s'est déjà senti seul, même quand tu es entouré, tu as des gens autour de toi, mais ce par quoi tu passes, tu te sens seul, tu te sens seul. Dans ta vie, on peut t'envoyer Simon pour t'aider à porter la croix, mais quand tu vas sur la croix, tu seras seul. Il a senti, il s'est dit non, ce genre de challenge que j'ai, je dois y faire face tout seul. Alors il va à un endroit. Élie, l'homme de Dieu, qui peut ouvrir le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Mais avant de dormir, c'est comme s'il fait une prière. Il dit, je suis fatigué. Je veux mourir. Je suis fatigué. J'ai servi Dieu pendant beaucoup d'années. Mais là, je suis découragé. J'arrête. Les expériences que j'attendais, les résultats que j'attendais, c'est pas ce que je reçois. Je suis découragé. C'est comme si Élie dit à Dieu, j'ai atteint ma limite. Je ne crois pas que j'ai la force de continuer. Je t'ai servi, mais là, je suis découragé.
Les choses qui se sont passées en 2020, c'est tellement dur. Là, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est comme s'il était comme les Congolais. Les Congolais n'ont pas la force de se tuer. Mais c'est comme s'il priait et dit à Dieu, « Seigneur, que je ne me réveille pas. Je veux dormir et puis ne pas me réveiller. » Il arrive par moments où tu as des challenges, tu vas dormir. Tu espères que quand tu vas te réveiller, c'est passé. Mais le comble, c'est quand tu te réveilles, le problème est toujours là. Tu dors parce que tu veux que ça change. Mais les choses ne changent pas parce qu'on dort. Tu dois faire face et lire et aller dormir. Il était déprimé, il est fatigué. Il dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis découragé. Les gens me voient en train de rire, en train de chanter, en train de sauter à l'église. Mais quand je suis seul, je n'ai pas la force. J'ai envie d'abandonner. Quand je regarde les choses auxquelles je fais face, j'ai envie d'abandonner. Il dit, je suis fatigué, je veux dormir. Il a dormi en espérant qu'il n'allait pas se réveiller. Et lorsque l'ange de Dieu vient, parmi les questions que Dieu lui pose, il lui dit, que fais-tu ici? C'est comme s'il lui demande, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu as fait pour arriver en ces lieux? Et lorsque Dieu lui pose cette question, Élie commence à expliquer. Il dit, j'ai servi Dieu, j'ai déployé mon zèle, mais regarde, on veut me tuer, je suis fatigué, je suis fatigué. L'image que Dieu m'a donnée, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ces lieux. On les voit en train de sourire, en train de sauter, mais dans leur cœur, il y a comme une fatigue. C'est comme s'ils disent, je n'ai pas la force de continuer. C'est comme si tu es en train de te traîner, tu marchais avec Dieu, tu courais, mais là tu sens que tu es en train de ramper, Tu dis, je n'ai pas la force, j'ai atteint ma limite. C'est ce qu'il dit, j'ai atteint ma limite. Dieu m'a donné l'image de Job. Vous savez, Job était un homme qui servait Dieu. Un jour, il y a des malheurs qui sont arrivés dans sa famille. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a perdu sa position. Et quand c'est arrivé, vous savez, Job, il avait quoi? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Waouh, un champion. Et puis après, il a été confronté par la maladie. Sa femme a craqué, elle a atteint sa limite parce qu'on n'a pas tous le même point de craquement. On n'a pas tous le même point de limitation. Et puis Job continue, il dit quoi? Nous recevons seulement des bonnes choses. Il a continué, il n'a pas maudit Dieu. Ça c'était le chapitre 2. Mais quand vous arrivez dans le chapitre 3, Job lorsqu'il ouvre sa bouche, la Bible déclare que Job maudit le jour de sa naissance. L'homme qui était fort dans Job 1, l'homme qui était fort dans Job 2, mais lorsque le problème ça traîne, même les plus forts peuvent craquer. Il dit, j'étais fort au début de cette maladie, j'étais fort au début de ce problème, mais ça a tellement traîné que là je suis en train de craquer. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit, j'aurais bien aimé ne pas naître. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? À cause. J'avais entendu l'histoire d'un homme de Dieu à qui une histoire comme ça était arrivée. Il avait perdu, je crois, son enfant. Il est allé au cimetière, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il a perdu un deuxième enfant, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je crois qu'il avait perdu soit un troisième, soit sa femme, je ne me souviens plus trop, c'est une vieille histoire. Mais quand c'est arrivé et au cimetière, il dit, le premier, tu l'as pris, je te bénis. Le deuxième, tu as pris, je te bénis. Mais le troisième, ah, moi je suis fatigué, j'arrête ces choses. Ah, j'arrête. J'ai atteint ma limite. Ah, j'abandonne. Je ne veux plus. C'est comme Pierre, alors qu'il va pêcher toute la nuit, il essaye de pêcher, mais tellement que ça ne marche pas, il arrive à un moment, la Bible déclare qu'ils ont accroché leur filet, ils ont dit, ah, on est fatigué, j'ai essayé d'introduire un CV, j'ai essayé de commencer un business, j'ai essayé de commencer telle fiançaille, on a fait seulement 5 mois, ça n'a pas marché, j'ai encore commencé un autre, ça n'a pas marché, maintenant moi j'ai l'appel de Paul, je ne vais pas me marier, c'est pas l'appel de Paul, tu es en train de craquer. Ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à Élie. Ça peut arriver à n'importe qui. Alléluia. Il dit, je suis
découragé. Je n'ai plus la force de continuer. Je vois un homme comme Jonas. Dieu l'appelle. Il lui dit d'aller à Ninive afin de proclamer l'évangile. Mais Jonas, parce qu'il n'a pas envie d'accomplir la mission de Dieu, parce qu'il n'a pas envie de répondre à l'appel de Dieu, Jonas va, il entre dans un bateau qui allait dans le sens contraire. Et alors la tempête est venue, elle est venue, elle a commencé à secouer le bateau. Mais la Bible dit que Jonas dormait. C'est le sommeil d'un homme qui a fui la volonté de Dieu. Un homme qui a fui la volonté de Dieu. Un homme qui a fui l'appel de Dieu. Un homme, il y a des tempêtes autour de toi parce que tu as fui l'appel de Dieu. Mais au lieu de te lever et de répondre à l'appel, tu dors. Sommeil de Jonas. Parce qu'au fin fond de toi, tu sais ce qu'il faut faire afin que la tempête puisse s'arrêter. Mais comme tu ne veux pas qu'elle s'arrête, parce que tu ne veux pas accomplir ta mission, tu préfères dormir. Comme Élie. Il dort dans le bateau. C'est ainsi que nous avons vu l'exemple de David. Je dis, il y a des saisons dans notre vie où tu entends la voix de Dieu qui te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bien, qu'est-ce que tu as fait? Lorsque David a tué Uri et puis il a pris sa femme, le prophète Nathan est allé vers lui. C'est comme s'il voulait lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? 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 Et puis la sentence tombe sur lui. La sentence tombe sur lui. Parce qu'au fin fond de lui-même, il sait, tu as posé un acte, tu t'es compromis, tu as péché. Vous savez, il y a des moments quand tu pèches, tu n'as pas envie d'aller voir les gens. Tu veux rester dans ta chambre. Tu ne veux même pas qu'on te voie parce qu'il y a la culpabilité dans ton cœur. Il y a des culpabilités qui te font dormir. Je n'ai plus me réveiller. J'aurais plus la force de me tenir là. Je ne suis plus digne d'être utilisé par Dieu. Je ne mérite pas d'être utilisé par Dieu. Parce que le diable, lorsque tu dors, il se rassure qu'il monte sur toi afin que tu ne puisses pas te relever. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. L'image que Dieu m'a encore donnée, c'est l'image de l'enfant prodigue qui vient vers son père. Il dit, donne-moi mon héritage. Et puis il prend son héritage, il part avec dans une contrée lointaine. Et là, il dépense tous ses biens avec des prostituées. Il s'amuse, il a été béni par Dieu. Tu as été visité par Dieu, mais tu prends les bénédictions de Dieu. Tu vas t'amuser dans le péché, tu t'amuses dans le péché. Et puis voilà que ça ne marche plus. Tu étais à l'église, tu priais pour un travail, tu as eu ton travail. Mais ce travail t'amène à vivre dans des compromissions. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, tu fais un effort qu'on ne sache pas ce que tu fais au travail. Pourquoi? Dieu t'a donné, mais ce que Dieu t'a donné, tu vis maintenant dans des compromissions, dans des compromissions, dans des compromissions. Il a perdu tout ce qu'il avait loin de son père. Il a tout perdu. Et puis il a atteint un niveau où il a commencé à travailler chez des gens. Et puis il a atteint encore un autre niveau où on ne lui donnait pas ce qu'il fallait manger comme il faut. Il a commencé à rêver de manger la nourriture des porcs. J'aimerais te dire une chose, alors que tu dors, peut-être à cause de la culpabilité, peut-être parce que tu fuis la volonté de Dieu, peut-être parce que tu es fatigué, il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est tellement lourd. Le Seigneur m'a envoyé de te dire, lève-toi. Je dis, lève-toi. Je dis, lève-toi. Je dis, lève-toi. Arrête de vivre la vie chrétienne en te couchant. Arrête de vivre la vie chrétienne en rampant. Lève-toi. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Lève-toi. Le problème, ce n'est pas de tomber, mais de rester couché. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi. Pourquoi? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es peut-être tombé un jour, mais ce n'est pas la fin. Tu es peut-être couché aujourd'hui, mais ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas fini avec toi. Je dis, il n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore des choses que tu peux expérimenter, plus grandes que ce que tu as expérimenté avant. Mais seulement, j'aimerais te dire, lève-toi. Lève-toi. J'aime ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, alors qu'il était en train d'envier la nourriture des pourceaux, la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Il dit, Oni. Il dit, ah, moi, chez papa, il y a l'abondance même chez les serviteurs. Moi, je fais quoi? Et puis, c'est comme ça, lui-même, il dit, je ne peux pas descendre plus bas que ça. Il dit, ah, je n'ai plus qu'une seule option. Je vais monter. Je ne peux plus descendre plus bas. J'aimerais que quelqu'un se fâche dans sa vie. Tu dis, je ne peux plus descendre plus bas que ceci. Je ne peux pas pécher plus que ça. J'ai déjà péché. Maintenant, je vais vivre dans la sainteté.
Que cela soit ta décision pour cette année. Aussi que les peines zambes, aucun n'a pas soumis, changer dans le côté et l'autre côté. Alors, ce que l'on a zambé pour ma campagne changer. Alléluia. Aucun n'a pas zambé, et l'on a malonga pour aujourd'hui et zate. Ce que l'on a zambé, c'est quoi? Nous avons passé au temps à Rokima, c'est quoi? Zonga. Il y a un père qui te cherche. Il y a une abondance qui t'attend. Mais c'est dans la maison de ton père. Je suis en train de parler à quelqu'un. Reviens vers ton père. Reviens vers ton père. La décision que tu prends, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois d'abord revenir vers Dieu. Il dit, tiens, il est en train de lui. Zonga moutou. Et bien, moi, ça va. Au salamakambu, au bini la makamango. Oh non, ça anine. Ça, c'est quoi? Moi? Un enfant de Dieu. Maintenant, les garçons me tripotent. Non. Moi, je suis destiné à être marié à un homme. Maintenant, c'est tout le monde qui joue avec moi. Ah. Moi, l'argent, c'est que j'ai reçu de Dieu. Maintenant, ça sert à quoi que les gens se saoulent? Ah. Tu rentres en toi-même. Tu dis non. Ça doit changer. Ça doit changer. Lève-toi. Je dis lève-toi. Si Dieu te dit lève-toi, c'est que tu as la force de te lever. Lève-toi. Je dis, lève-toi. Tu perds le combat, non pas quand tu tombes, mais quand tu décides d'abandonner. Alors je dis, lève-toi. Tu as perdu peut-être une bataille, mais la guerre, tu ne peux pas la perdre. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Mais il te dit, lève-toi. Je dis, lève-toi. Il a décidé en lui-même. Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui? Il peut décider. Il dit, non, je ne peux pas aller plus bas que ça. J'ai touché le fond. À partir de maintenant, les choses doivent changer. J'ai touché le fond. À partir de maintenant, les choses doivent changer. Pierre, lorsqu'il avait péché contre Jésus, il a abandonné Jésus. Il a abandonné Jésus. Lorsqu'il a entendu le coq chanter, la culpabilité est venue. Il a commencé à pleurer. Tu as fait des choses. Mais je me disais, c'est possible de se lever et de reprendre. L'image que je vois, c'est l'image de Samson. Un homme qui était loin pour accomplir de grandes délivrances en Israël. Mais il n'avait pas la discipline par rapport au péché. Combien de gens? Vous savez qu'il y a des gens qui sont malades ici parce que les frères et sœurs qui ont le don de guérison sont des aventuriers comme Samson. Tu as un don fort, mais tu n'as pas une discipline envers les femmes. Ça, c'est ça. Je suis sûr que Samson, alors qu'il est en prison, il ne sait plus voir. Seulement une voix vient lui dire, Samson, tu fais quoi ici? Il dit, oh, j'ai servi Dieu dans la puissance. Mais j'ai commencé à m'amuser avec le péché. Et un jour, je me suis endormi sur les cuisses de Delilah. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. J'ai vu que je n'avais plus de cheveux. Et puis, j'essaie d'ouvrir mes yeux. Je me suis rendu compte que j'étais aveugle. Tu imagines la culpabilité dans le cœur de Samson. Mais j'aimerais dire à Samson que Dieu n'a pas fini avec toi. J'aimerais dire à Samson, Dieu n'a pas fini avec toi. La preuve, c'est que Samson, alors qu'il était encore en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Les cheveux ont commencé à pousser. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu était toujours sur lui. Dieu n'a pas mis le signe de son alliance avec Samson sur les yeux, mais il a mis le signe de son alliance avec Samson sur les cheveux, parce que les yeux ne repoussent pas, mais les cheveux peuvent repousser. Et lorsque les cheveux recommencent à repousser, la force et la puissance reviennent. Parce que Dieu sait que tu peux faire des bêtises, mais te permet d'être capable de réparer. Les cheveux peuvent pousser. Je parle à Samson aujourd'hui. Tu as perdu des batailles. Quand on parle de toi, on dit à l'époque, c'était un grand serviteur de Dieu. Il était puissant, mais aujourd'hui, tu es comme une épave. Les gens se moquent de toi. Mais je veux te dire, les cheveux vont pousser. Ça va pousser. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et puis quand ça va pousser, tu vas tuer plus de Philistins que dans ton vivant. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Les exploits que tu vas faire vont dépasser les exploits que tu as fait avant. Il n'a pas fini avec toi. Je dis, il n'a pas fini avec toi. Ne laisse pas la culpabilité te hanter. Ne laisse pas la culpabilité te fragiliser, te paralyser. J'aime ce que David fait dans le psaume 51. Il a commencé à demander à Dieu pardon. Il dit à Dieu, c'est contre toi seul que j'ai péché. Je n'ai pas péché contre des hommes d'abord, c'est contre toi. Et puis, si tu me punis, hein, tu serais droit dans tes sentences. C'est normal, je mérite d'être puni. Mais Seigneur, il a commencé à demander pardon à Dieu.
Ce que j'aime, c'est que nous avons un Dieu qui entend la prière. Alléluia. Je dis, nous avons un Dieu qui entend la prière. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il entend. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La grâce de Dieu est encore ici en abondance. Mais arrête de vivre dans le secret, dans la cachette. Dis à Dieu, j'ai péché. J'ai péché. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi. Si Dieu regarda nos iniquités, qui pourrait subsister devant lui? Mais le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on l'en crée. Parce qu'il pardonne des gens qui ne méritent pas d'être pardonnés. Parce qu'il a intercédé pour des gens qui sont coupables, qui méritaient la mort. Nous ne méritons pas, mais la grâce est toujours là. Elle est toujours là. Paul, tu m'as renié. Pierre, tu m'as renié. Mais je veux t'utiliser comme le leader de l'église. Lorsque tu te seras converti, encadre les autres. Je n'ai pas oublié la mission que j'ai pour toi. Ah, Pierre, tu m'as renié. Mais lorsque je suis ressuscité, je demande, je dis, allez dire aux disciples, mais aussi à Pierre. Dites à Pierre que je n'ai pas fini avec lui. Dites à Pierre que le fait que tu sois tombé ne disqualifie pas ton appel. Dieu ne se répand pas de son appel. Jonas, Dieu ne se répond pas de son appel. Tu as fui, tu vis dans la direction opposée. À cause de ça, il y a des tempêtes dans ta vie qui détruisent tout. Et puis j'envoie un poisson pour t'avaler. Mais je ne permets pas que tu meures dans le ventre du poisson. Pourquoi? Tu es dans une prison, tu ne sais pas bouger, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce qui te garde en vie, c'est ton appel et ta mission. Ce qui te garde en vie, c'est ton appel et la mission des âmes de Ninive qui doivent être sauvées. Ça te maintient même dans le ventre du poisson. La Bible dit que Jonas, alors qu'il était dans le ventre du poisson, il a crié à Dieu. Dieu a entendu du ventre. Je ne sais pas dans quel ventre tu es. Je ne sais pas. Il ne compte plus sur toi. Quand on classe les gens, on ne te classe pas parce que tu as été couvert dans le ventre du poisson. Mais même là, au plus fort, au plus profond de l'océan, au plus profond du ventre d'un poisson, là où les hommes sur la terre ne te comptent plus, Dieu continue à te voir et il n'a pas encore renoncé au plan qu'il a pour toi. Je dis qu'il y a un Dieu qui te voit. Il pourrait voir Lazare parmi les morts. Toi, tu es encore parmi les vivants. Il te voit et il se souvient de son appel quand il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Dieu a ordonné au poisson d'aller vomir Jonas, pas n'importe où, sur le terrain de la mission. Ah, Dieu va faire des raccourcis bizarres dans la vie de quelqu'un. Quand tu te repens, la repentance est un raccourci. L'enfant prodigue rentrait pour être un serviteur. Mais son père dit, non, non, tu es toujours mon enfant. Depuis quand tu es comme le serviteur, viens, viens manger. Dieu va t'étonner. Quand il va te viser, tu vas dire, je ne mérite pas. C'est la grâce de Dieu. Je ne mérite pas d'être parmi tes serviteurs. Non, tu mérites d'être parmi mes fils. Non, pas à cause de tes mérites, mais à cause de l'œuvre de la croix. Tu dis, je ne mérite pas. Moi, je prêche une prédication. Il y a à peu près 120 000 personnes qui se convertissent. Alors que je prêche parce que Dieu a décidé de t'utiliser. Dieu va t'étonner. Je dis que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Et je dis, il n'a pas fini avec toi. Les hommes ont dit que c'est fini. Ils ne te voient plus. Ils ne te comptent plus. Parce que Dieu continue à te compter. Au plus profond du poisson, Jonas a crié à Dieu. Et Dieu a entendu sa prière. L'enfant prodigue a décidé de revenir. Samson a dit, venge-moi de mes ennemis, encore une fois. J'ai perdu des batailles, mais je n'ai pas envie de mourir comme un perdant. Vous savez, quand tu as servi Dieu, nous avons des cicatrices hein, dans la marche avec Dieu. J'ai aimé une chanson que j'ai suivie, on dit, derrière cette muraille, il y a des cicatrices, mais la muraille étouffe les cris de ces cicatrices. Peut-être toi, tu as été frappé mortellement par l'ennemi dans le champ de bataille, et puis tu t'es couché. Mais je veux te dire une chose, relève-toi, reprends la muraille et reviens sur le champ de bataille. Parce que les exploits que tu vas faire, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais la grâce de Dieu va te qualifier. Souvent quand on est tombé et qu'on revient vers Dieu, on commence à voir au rabais les ambitions avec Dieu. Non, personne n'est utilisé sur base du mérite. On est utilisé sur les bases du mérite de l'œuvre de la croix. C'est pas la grâce. Dis, je vais faire des exploits avec Dieu. Tu as eu 5-6 fiancés. Ne dis pas, je vais avoir seulement un mariage. Tu es caliban à rêve, on a rozoango. N'a pas de la lissoussou. Oyo qui bien terre.
Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Je dis, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Jonas a accompli un ministère puissant après avoir fui Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Lève-toi, mange et bois. Ressource-toi. Ne sois pas pressé de courir. Prends le temps de te ressourcer. Le chrome, c'est que beaucoup de gens, quand ils reviennent, il y a ça l'expérience à Kala. Tu es au Kouya, au Kouya, moi, énergie spirituelle et Kima. Soit tant qu'on s'est ressourcé. Au Téa, il y a théorie à Kala. Au Pengui, 5 ans. Yaka Ozongi, prends le temps de manger et boire. Je dis, prends le temps de manger la nourriture que cuit un ange. Alléluia. Si tu envoyais chez l'ange de cette église, prends le temps de manger et boire pour avoir l'énergie de rentrer sur le champ. Pour avoir l'énergie de continuer la course. Prends le temps de manger et boire. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin d'être fort. J'ai besoin d'une nourriture qui va me donner la force de marcher vers ma destinée, vers les choses qui me restent à faire. Prends le temps de manger et boire. Pourquoi? Il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Je dis, il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Je viens de parler à quelqu'un. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Mboula, oyo, mboula, sakala, ngote. 2020 à Sakai Nabiso quand même mon mouké, hein? Corona, on a rien à surprise. Topi mboula yo corona tozo soyo. Alléluia. Je dis alléluia. Lève-toi, mange et bois. Puisse ta force dans la grâce de Dieu. Puisse ta force dans la grâce de Dieu. Tu dis, Seigneur, conduis-moi vers le rocher que je ne peux atteindre de moi-même. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je viens puiser ma force, pas dans mes mérites, mais dans la grâce de Dieu. Père, conduis-moi vers ce rocher. Conduis-moi vers ce rocher que je ne peux pas atteindre moi-même. Conduis-moi vers ce rocher. Conduis-moi vers ce rocher. Je viens puiser ma force en Dieu. Je veux puiser la force dont j'ai besoin afin de continuer à marcher. Je veux boire. Je veux boire. Je veux manger. Ésaïe 40, 27 dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente de la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confie en l'Éternel, renouvelle leur force, ils reprennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Nous voulons nous confier en l'Éternel encore. Nous allons déclarer à Dieu, je crois en toi. Ah, je décide de te faire confiance, je décide de continuer à te faire confiance. Puisse ta force en Dieu, puisse ta force. Toute mission de Dieu ne peut être accomplie que par la puissance de Dieu. Même Jésus, pour aller à la croix, les anges sont venus le fortifier. Pour le cas d'Élie, Dieu a envoyé un ange préparé pour Élie, parce qu'il avait besoin d'une nourriture spirituelle pour lui donner de l'énergie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'énergie, j'ai pas assez de force, je suis lobate. Seigneur, charge-moi, pas pour marcher, pour voler, charge-moi. Yeah, tu t'es chargé un peu, mais il te dit encore, mange et bois à la dimension de la vision, à la dimension de la mission. Ne bois pas seulement pour avoir un peu d'énergie, bois à la dimension de la vision. Prends le temps de boire, prends le temps de manger avant de commencer à marcher. Ne sois pas prêt de te présenter devant les hommes. Cache-toi dans le secret, dans la prière. Commence à boire. Va en retraite. Profite de cette retraite. Bois, mange. Et puis tu vas affronter les choses. Ils ont prié. Dieu a répondu. Alors que je conclue, je te le dis, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas renoncé à ce rêve attaché à ta vie. Il n'a pas renoncé. Pierre, le plan est que tu sois le leader de l'église. Le premier prédicateur qui gagne 3 000 âmes.
C'est ce plan. Mais seulement, ne reste pas couché. Lève-toi. Pierre, lève-toi. Tu es tombé, c'est arrivé, mais lève-toi maintenant. Lève-toi. Occupez les nyama belé, si ko téléma. Osa nyokate. Yem sa voisin, osa nyokate, téléma. Nyokata mbolaka na mabele, biso do tambolaka na makolona biso, téléma. Osa nyokate. Tu es osa la ki nyoka nyoka, téléma, 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 téléma. Et puis biso do tambolaka a tétro pour moi, pour moi, pour moi. Que Dieu te donne la force, non seulement de courir, mais de voler. Parce que c'est la vitesse, mon sou, énergie, mon sou, puissance, mon sou. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es pas une voiture, mais tu es un avion. Même si tu as de la vitesse sur le train d'atterrissage, l'aéroport, ce n'est pas un endroit où tu es censé passer beaucoup de temps. C'est un endroit à partir duquel tu t'envoles. Je prie que tu t'envoles ce soir. Que tu t'envoles ce soir. Que par la force de Dieu, tu aies la capacité de voler et d'aller dans des hauteurs. Dans des hauteurs. Élie, il y a des gens à oindre. Il y a encore une mission. Tu dois préparer la relève. Tu dois préparer la relève. Samson, tu vas encore faire des exploits. Jonas, Ninive t'attend. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Lève-toi. Mange. Car Dieu n'a pas fini avec toi. J'ai dit, lève-toi, mange. Car Dieu n'a pas fini avec toi. Lève-toi, mange, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Quelqu'un va dire à Dieu, je veux boire ce soir. Quelqu'un va dire à Dieu, j'étais couché, mais maintenant je décide de me relever. Je me lève maintenant. Je me lève. Je ne veux plus ramper, je veux me lever maintenant. Je veux me lever. Je peux vivre comme un serpent mangeant la poussière. Je veux me lever. Et je veux voler comme un aigle. Quand la parole de Dieu sort, la provision attachée à la parole est dedans. Mais il faut que tu exprimes à Dieu la soif. Dis, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Que mes cheveux poussent encore. Que mes cheveux poussent encore. Ce qui n'a qu'à n'est si bilo qu'on a un homme en anzambé n'a qu'à là. Ce n'a pas l'élo, n'a pas pour ça qu'on est là. Ce qui ne rebote à l'élo. Passé, non, il est qui présent. Ah, il faut changer l'élo. Présent, il faut le repasser. Futur, il faut le cas. Dis, Seigneur, que mes péchés, que mes cheveux poussent, pardonne-moi. J'étais négligent, je me suis amusé. Je me suis amusé avec les choses de Dieu. Ah, Jésus. Déchire ton cœur devant Dieu. Si tu sais que tu es dans le ventre du poisson, il faut que tu cries fort. Tu as un émoroté, ça dépend de la situation. Si tu as la culpabilité comme David, tu as la position de mon côté. Maintenant, tu as la position par rapport à la situation. Tu as la peine de mon côté. Ils ont dépendu de la vision, de la destinée. Ce qui m'a dit, je vais faire ça, je vais la vie. Je vais faire ça, je vais faire ça. Oh Yahweh. Oh, j'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. C'est encore possible. Je me suis compromis, mais tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas jeté. Tu n'as pas renoncé à tes plans dans ma vie. Tu n'as pas renoncé à tes projets dans ma vie. Tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, que ce soir, tu me restaures. Je suis comme l'enfant prodigue. Je rentre chez papa. Je rentre chez papa. Je veux dire, papa, j'ai péché contre toi seul. Mais je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu me restaures. En 2021, je vais faire ce à quoi tu m'as appelé. Papa, je reviens à toi. Il y a quelqu'un, le Père est en train de courir vers toi. Il court 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 vers toi. Ere baba sheke. Ere mama yendeke.
Bois au torrent pendant la marche, tu vas relever la tête. Bois au torrent pendant la marche, tu vas relever la tête. Bois au torrent pendant la marche, tu vas relever la tête. Bois au torrent pendant la marche, tu relèves, tu relèves, tu relèves, tu relèves, tu relèves la tête. Coca-Cola rêve, Yann Zambete. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Ah, tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Tu es seulement tombé. Tu n'es pas disqualifié. Tu es seulement tombé. Mais relève-toi, relève-toi, relève-toi. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Relève-toi. Il y a un esprit de consolation en ces lieux. Un esprit de réconfort en ces lieux. Allez, va, va, chéquille.